pour que la voix des enfants soit entendue en ces temps plus que difficiles pour la pêche. Ce secteur vital est agressé de toutes parts. Ses ressources se raréfient et exposent des millions de personnes qui en vivent. Que deviendront les métiers de la pêche en ce rythme-là? Que seront les familles qui ne peuvent accéder qu'aux poissons pour améliorer leur repas? Sous peu, y aura-t-il encore des poissons dans nos bols ou assiettes? Le plat national du Sénégal, le Thiéboudien, ne disparaîtra-t-il pas? Chères autorités et vous autres adultes, ces questions vous sont adressées. La terre est ce qui s'y trouve a été mis à la disposition de l'humanité pour qu'elle en use, mais pas pour qu'elle en abuse. Le constat est amer pour nous les enfants. Quelle mère allez-vous nous laisser? À force de l'étrangler, on a l'impression que la mère est fâchée et avance sur la terre ferme. Arrêtez le carnage, s'il vous plaît, de grâce. Pensez à l'avenir. Nous, vos enfants, qu'allez-vous nous laisser comme héritage? Notre pays et ses dirigeants sont interpellés avec l'exploitation du pétrole et du gaz au large de nos côtes. Nous vous en supplions, prenez toutes les mesures idoines pour préserver l'écosystème, les fuites et autres essais avec les hydrocarbures menacent gravement la pêche. Il est certes important de profiter de cette manne pour développer le pays, surtout en ces temps de pénurie et de hausse, tout azimut. Mais il faut que ce grand bond en avant soit durable afin que nous, enfants, puissions en profiter plus tard. Nous, élèves de l'école d'application, avons ces années participé au reboisement de la mangrove dans l'air marine protégée de zoales fagues. C'est notre participation aux efforts de défense et de production des ressources halieutiques. Aussi, nous demandons à tout et à chacun de bien vouloir jouer sa participation. Ce pays est le nôtre et nous devons travailler à son émergence. Chers partenaires, chers invités, à vos rangs, grade et qualité, merci pour tout ce que vous ferez pour relayer nos préoccupations, nos inquiétudes aux autorités pour des mesures fermes au bénéfice de toute la population. Que cette journée permette de faire bouger les lits. Je vous remercie de votre aimable attention.